Et donc salut tout le monde les enfants, ici Chamallow de la chaîne Epic Crafting. Et donc ici on se retrouve pour un tout nouveau gameplay. Ça sera donc un mélange de playthrough et de nouvelle trougue. Ouh là là, mon micro va tomber, c'est galère. Bref, et on se retrouve sur Pokémon Emerald. Ça fait très très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo dessus. Donc je propose de commencer sans plus tarder. Alors attendez, d'abord on va juste régler 2-3 petits trucs histoire de... C'est dégueulasse. Attendez, on va voir si on peut pas essayer de faire autre chose. Bref, de toute façon je vais essayer d'accélérer tout le long du jeu. Donc du coup bah non, c'est pas... Enfin si, c'est un peu de la triche, mais au moins comme ça vous vous ennuierez un petit peu moins. Voilà, donc du coup on va essayer de faire ça assez rapidement, histoire que vous voyez un peu à quel point ce jeu est magnifique. Et puis j'espère que la série va vous plaire et que vous allez pouvoir me suivre tout le long de la série. Donc du coup on se donne rendez-vous à je sais plus où est-ce qu'on commence. Bref, le jeu est en anglais, bah les steaks, on est fou, on est bilingue, etc. Blablabla, see you later, alligator, bla. Donc du coup, on arrive à la maison, il y a des gros gorilles dans la maison qui sont en train de faire je sais pas quoi avec la télé et le frigo, bande de gros dégueux. Et puis ta grand-mère, enfin ta mère en fait, t'empêche de descendre parce qu'elle a pas fini de faire ce qu'elle fait avec ses gorilles. Donc du coup, on sauvegarde la partie ici, et puis on va voir déjà pour régler l'horloge. Alors du coup, bon, j'ai pas le droit de descendre, je suis obligé de régler l'horloge, c'est un peu chiant. On va dire que c'est... allez, c'est minuit, c'est pas mal ça. Hop, oh putain, il y a un moustique. Pitié, non. Allez, oh la maman qui monte dans la chambre, c'est cool. Bref, allez, on va voir dans le PC pour voir s'il n'y a pas une potion. Et il y a une potion, c'est super. On va regarder un peu tout ce qu'il y a ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour aller plus vite et pour perdre un peu moins de temps, on va essayer de faire avancer la tech speed. On va pas montrer... Bon, on montre les attaques ou pas? Allez, on les montre pas. Tant pis, balestex, c'est nul les attaques de toute façon. Allez, go! Hop, oh putain, mon papa se passe à la télé, ouais c'est parfait, allez hop. Donc du coup bah, le but dans cette série, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va aller assez loin. Oh là là, je peux pas aller là-bas, ok, la petite fille fait la loi ici, c'est pas normal. Non mais oh, mais que fait la police quoi, rendez l'argent, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah oui, c'est vrai que... Bah du coup j'ai beaucoup joué à ce jeu, donc ça sera pas un gameplay découverte pour moi. Enfin, ou du moins pas trop j'espère. Sinon bah vous vous ennuierez beaucoup. Bref, et donc du coup bah on va essayer d'aller assez vite. Mais j'ai l'impression que je vais dire ça tout le temps. Bref, blablabla bla, bla. Putain, elle a une Gamecube et j'en ai pas. Putain, c'est de la triche. Ouais, bon bref, voilà, je parle à la connasse. On s'en va. Donc il se trouve que cette fille, ça va être... Pff, je suis con, je pointe l'écran avec le doigt. Il se trouve que cette fille, en fait, ça va être notre rival tout le long. Et puis il y aura un deuxième rival, enfin bref, voilà. Donc c'est un des premiers jeux Pokémon où on a deux rivaux dans la même version, disons, donc du coup voilà. Oh, un connard qui se fait attaquer par un Zigzaton. Je suis désolé, je dis des trucs à retardement, mais comme j'ai plein de trucs à dire, du coup, je me sens con. Alors, on a le choix entre quoi? Entre Arco, Poussifeu et Gobou. Alors, moi, je pense que... Franchement, vu les Pokémon qu'on va rencontrer au début, je serais plutôt pour un Poussifeu. Parce qu'on rencontrera pas beaucoup de Pokémon Feu. Et j'aime bien les Pokémon Feu, c'est mignon, ça a des yeux. Enfin, bref. Allez, c'est parti. Donc, on commence notre premier combat. On gagne. Oh, c'est surprenant. Ouh là là. C'est sûr que c'est pas la même chose que quand on commence un combat. Non, je lui veux pas donner de nom. Non, je veux pas lui parler. Non, fous-moi la paix. Allez, oust. En fait, le vieux, là, il voudrait que je parle à sa petite copine. Je veux dire, sa petite fille. Excusez-moi. Petit lapsus. Donc, du coup, on va essayer d'aller la voir parce qu'apparemment, c'est perdu. Et puis, voilà. Saloperie de Pokémon. Donc du coup on se retrouve dans le premier, enfin sur le premier chemin assez facile, pas trop compliqué. Et moi je pense que je vais rester jusqu'au niveau 7 en fait, parce que comment dire, une fois qu'on sera arrivé à l'autre bout de du village, on va tomber sur une sur notre rivale. Et puis on va se combattre, enfin on va la combattre. Et puis je préférerais avoir un petit avantage sur elle histoire de ne pas perdre, voilà, parce que j'ai, enfin non mais, enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Allez, 7, allez go. On se soigne, on monte Fiesta, et blablabla, et puis on s'en va. On va parler à cette connasse, vas-y, donne-moi une potion, voilà, c'est bien, allez, oust, hop. Et du coup, on va la rejoindre là-haut. Elle est là, là, en train de nous narguer, en train de nous montrer ses fesses. Vous allez voir, on va lui coller une fessée à ce gros dégueulasse. Allez, c'est parti. Bon, bah du coup, voilà, pour ceux qui connaissent pas le jeu Pokémon, je sais que je vous en demande beaucoup, mais bon. En général, le rival choisit toujours le Pokémon qui sera supérieur au niveau du type au vôtre. Donc, par exemple, si jamais je prends un Pokémon de type feu, bah le rival va prendre un Pokémon de type eau, parce que c'est super efficace contre le feu, etc., etc. Bon, bref, allez, je l'ai bien défoncé, voilà, elle a pris cher, elle va aller se plaindre à son grand-père, blablabla, oui, 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 hop. On va repasser par les sautes pour pas aller dans les herbes. J'aime pas les herbes. Et puis du coup, on va reparler à ce connard.
Voilà. Oh oui, c'est super. Wouhou, wouhou. Des Pokéballs. Oh, elle est gentille. Oh là là. Je la défonce et elle me donne des Pokéballs et de l'argent. Putain, je suis vraiment content. J'ai de la chance. Oh oui, vas-y, passe-moi mes baskets. Oui, j'ai des Nike. Wouhou. Let's go. Let's go. J'ai dit let's go. Allez, hop. Oup, oup. Oh putain, ça va beaucoup plus vite. Oh, un petit salopard. Oui, on va pouvoir le défoncer. Ouais. Allez, on le chope et on le chope et on s'en va. Ouais, c'est super. Magnifique. Non. J'aurais dû l'appeler tête de cul. Tiens, ça aurait été marrant. Tiens, voilà. On va le faire, level up un petit peu. Genre level 3 ou 4. Et puis on va voir après. Et puis on va essayer de choper un autre, un ou deux autres Pokémon aussi. Le but étant d'en attraper le plus possible, comme ça au moins on aura un large éventail de choix. Putain, et 7 d'XP quand même, ça risque d'être long, hein, les gars. Ça risque d'être plutôt long. Regardez, regardez l'XP qu'il a gagné au niveau 2, vous vous rendez compte? Oh là là, vous imaginez au niveau 5? Oh là là, on y est encore demain. Oh là là, donnez-moi un Mediena ou un truc du genre. Oh là là, mais regardez-moi ça, mais. Oui, allez, 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 stop, ça suffit. Allez, hop, on va choper le Zigzaton parce qu'il a la capacité spéciale ramassage, ce qui va nous permettre de récupérer des petits objets par-ci par-là. C'est quelque chose de plutôt sympa. En fait, j'ai toujours aimé le ramassage, c'est assez rigolo en fait. Donc, du coup, voilà. Bref, continuons. Ouais, oui, super, allez, hop. Troisième Pokéball, putain, ça part vite, hein. Voilà, bon, bah, on a à peu près les trois Pokémon qui étaient disponibles dans la zone. On va pouvoir bouger bientôt quand notre machin sera level 2, level 3, pardon. Et après, on va passer en haut du village pour faire un petit détour. Pour choper un Goélize. Goélize qui est un Pokémon de type vol et eau, donc qui sera plutôt utile pour la forêt de, enfin la forêt qu'on va traverser avec tous les insectes de mort qui puent du cul. Bref, donc on va acheter des Pokéballs, on va en acheter pas mal, voilà, comme ça si jamais je fais le kéké et puis que j'en rate, j'aurai pas l'air trop con. Voilà, on va prendre ça et on va prendre ça. Voilà. Allez, dégage. Oust! Alors maintenant on va essayer de choper le Goélize dont je vous parlais, donc j'espère qu'on va tomber dessus pas trop tard parce que bon. Au niveau 7, j'aurai ma première évolution avec le Chenipote. Oh le petit Goélize, qu'est-ce qu'il est chou. Allez hop, dans ta gueule. Tiens, je te pique avec mon pic. Zbleu. Voilà, allez hop, c'est l'heure de rentrer dans ta Pokéball. Wouhou! Alors on a le seum, on est deg, on est dégoulol. Allez hop, on s'en va. Wouhou! Bon bah voilà, j'ai une team de Pokémon level 2, c'est parfait. C'est tout ce que j'espérais les gars. Allez c'est parti, on va bouger d'ici maintenant de cet endroit qui pue la merde. Enfin gentiment hein, bien sûr de cette décharge publique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi comme Pokémon ici? Montrez-moi des Pokémon. Ok d'accord, 13 PV. Ok, c'est pas vraiment le Pokémon rêvé au début, je pense, mais bon. Ça sera toujours mieux que rien contre les Pokémon de type proche. Vu que du coup, bah, étant que j'ai un Pokémon de type feu, bah, j'ai rien pour me défendre contre les types proches. Donc voilà. Alors, un Medina, blablabla. Hop. On va prendre, on va changer, blablabla. Rugissement, tac tac tac. Level 3, oui, c'est bien, allez hop. C'est quand que j'apprends la Flamèche? Ça serait cool d'apprendre la Flamèche assez rapidement. Oh oui, level 4, wouhou! Mais level 4 quoi, mais franchement, on rencontre des monstres level 4 et puis les dresseurs ils ont des Pokémon level 5. Non mais rendez l'argent quoi. C'est une blague. Allez, le petit gamin avec son petit filet, moi je vais le défoncer. Oh, le petit Zigzaton a ramassé quelque chose, vous avez vu? C'est mignon! Eh ben il va pouvoir me le donner et puis je vais pouvoir l'enterrer dans le jardin avec toutes les autres déchets qu'il va ramasser. Espèce de. Oh, j'ai oublié de changer! Non! Putain, mais quel gâchis! Gâchis d'expérience, gâchis de trucs. Donne-moi ça! Espèce d'enfoiré. Oh, un total soin en plus, ça coûte cher ces trucs. C'est bien. Putain, je suis trop content, je suis refait de ma vie. Bref, allez. On va rester ici jusqu'à ce que nos Pokémon, nos trois Pokémon soient level 5 et puis on verra après. Ce serait bien. Donc du coup, voilà, on va essayer d'envoyer ce connard au combat. Oh oui, level 5, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, allez hop. Next. Ah non putain je suis vraiment con, j'avais oublié que donc Nirondelle avait un pic-pic. Donc ouais voilà, vu que je connais un petit peu les Pokémon déjà, je vais pouvoir faire le moitié et le demi Pokédex parlant. Bon j'espère que j'aurai pas une voix aussi chiante parce que sinon bah vous allez peut-être pas trop m'aimer. Donc je signale tout de suite que je ne vais pas replanter les baies parce que en fait je risque de jouer assez rarement ou beaucoup trop souvent. Donc du coup dans tous les cas bah ça servira à rien. Merde putain pourquoi je viens de la planter alors mais quel. Ah mais quel con. Mais quelques. Putain, mais je suis vraiment stupide, hein, des fois. Enfin, bref. Allez, on va essayer de rencontrer un petit Tarsal ici, ce serait cool. Un Tarsal pour avoir un garde-boire plus tard. En fait, il faut savoir que, au moment où je parle, je suis en train de composer mon équipe finale dans ma tête. Et donc, du coup, bah, je pense déjà savoir ce qu'il y aura.
Donc, bah, je vais essayer de les récupérer. Enfin, j'allais dire les récolter comme si c'était des objets, mais non, pas du tout. Au fur et à mesure dans le jeu. Donc, du coup, voilà. J'espère que c'est une équipe qui vous plaira. Une équipe assez classe, assez stylée. Ouais, ça a l'air pas mal. Oh, un petit machin. Un petit connard. Allez, oust! Si je l'empoisonne, ça serait plus simple. Bon, ok, c'est pas grave, on fera avec. Hop, petite Pokéball. Et c'est parti! Wouhou! Next! Quoi? Mais je suis déjà plein! Mais c'est quoi cette blague? Mais c'est une blague? Oh là là, mais ils se foutent de moi! Oh! Putain, il y a encore plein de Pokémon à choper! Non! Non, 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 non! Je vais me faire défoncer! Je vais me faire défoncer! Non! Oui! Oui, je suis vivant! Oh là là, c'est peut-être le moment ou jamais de faire survivre mon chenipote. Et oui, c'est déjà la fin de cette première vidéo, donc de ce premier épisode sur Pokémon Emerald. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, que je vous ai pas trop crié dessus. Et puis, dans tous les cas, on se donne rendez-vous pour la suite de cette série. Donc si jamais la vidéo vous a plu et que vous aimeriez la partager, n'hésitez pas à la faire découvrir à vos amis, vos proches et vos ennemis aussi, si vous voulez. À l'aimer, à partager, j'ai déjà dit, enfin, bref, voilà. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez de la vidéo ou des choses comme ça, et tout le bazar qui va avec. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde! Oh putain, que ça! En plus, on dirait un canard ce Pokémon, il est beaucoup trop moche! Oh là là! Allez, nouvelle carte!